bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 de notre incroyable aventure, toujours accompagné de Monsieur Funéral. Nous sommes dans une église. Et comment il va celui-ci? Eh bien celui-ci va très bien. Il est temps de continuer notre aventure. Nous devions aller discuter avec Kurt. Et Kurt il s'est dit, eh ça serait pas mal que on remplisse l'église de pièges totalement inutiles et flingués au sol, histoire de donner histoire d'être bien chiant 500 heures de jeu aux joueurs évidemment. Et donc on a fait tout ce qu'il y avait à faire. On va peut-être enfin pouvoir lui parler. Évidemment, et on s'est débloqué un raccourci juste derrière. Au cas ça, où, en s'ambiant. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que t'as de Outlast 3? Tu sais qu'on va se chier dessus, hein, frérot. Vraiment, je savais même pas qu'il y avait un co-op sur Outlast 3. Eh ben, on va se chier dessus. T'avais fait le 1 ou 2? Le 1, j'avais quitté vers... J'étais pas très loin de la fin, mais j'avais quitté parce que ça me saoulait d'aller chercher la clé 1 pour ouvrir la porte 1, puis après, enfin, le classique, quoi. Ouais, bien sûr. Le 2 était atroce, hein. Le 2 était atroce. Le 2, je l'ai fait aussi, mais pareil, à la moitié, j'ai rage quit parce que, j'arrive pas à trouver mon compte sur ces jeux, tu vois. C'est pas comme Alien où il y a une histoire et quoi. Tu t'en prends plein la gueule, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Y a rien d'autre à mais chercher. Mais genre, quand je me cachais dans un lac avec l'autre, avec sa lampe et tout, là, il était horrible. Hein. T'as jamais été jusqu'à l'école? Non. Ah bah, attention le caca culotte, hein, de niveau 8, hein. Bah j'espère qu'on aura des caca-culottes de niveau 8, parce que c'est vrai que les jeux d'horreur... Oui. Outlast, en très quoi, très fort. Ben le dernier en date, c'était... Fear 3. Ah, et encore, non, il était pas très effrayant. Mais attends, je vais pas tomber, là. Regarde-moi, dis-moi si je suis à deux doigts de tomber. On ressort bien sur tes appuis. Ouais. Très solide. Je flotte à moitié, quoi. T'es en train de recul, fa... Non, pas à moitié, mais on va dire que t'as presque un genou dans le vide. Moi, juste de rester à côté de toi, je suis en danger. Hein. Lui. Non, mais alors attends, parce que lui, c'est un enfer. Vas-y, hein, je vous regarde. J'ai foi en vous. What? Attends, parce que lui, c'est au millimètre, gros. Ah, putain. Ok. Oh, j'ai oublié mes points de compétence, monsieur Funéral. J'en ai profité pour auto-soigner. Bah, merci, frérot. C'est gratuit. Alors. J'ai un point de parcours et on avait dit qu'on faisait quoi déjà? Pas le saut ennemi, enfoncement c'est quoi? Okay. Ah oui, enfoncement tu passes à travers tout le monde. Saut lointain gros, c'est saut énorme lointain. Ah ouais, largement. Surtout qu'il y a un truc, c'est appuyer deux fois sur R1 pour faire un giga saut de la mort qui tue. Et double saut, tu parles du double saut? Ouais, le double saut, ouais ça c'est violent le double saut. Hein. Ok. Moi je pense qu'on peut partir sur saut lointain pour après aller sur un double saut. Oh bah il est là ce con, regarde la tête qu'il a. Regarde la tête qu'il a. Il nous attend, il est cool. Rattrapé. On doit rattraper qui? Ah oui effectivement, bah Kurt. Ah bah il a pas l'air très enjoué. Oui, de... il a pas l'air dans sa main. Ah d'accord, il a disparu. Oh t'aurais dû le regarder juste pour voir s'il y avait l'animation où il se barre ou pas tu vois. Putain, oui. Hein, une cassette. Ah, genre il s'est volatilisé le ref, il m'a vu sauter, il a fait oh mon dieu il s'est sauté. Il a fait Maître Caillot, j'arrive. C'est un jeu de parcours, j'ai oublié qu'ils avaient sauté, je m'en vais. Qu'est-ce qu'on aime troller, putain, on est insupportables. Ouais, on est des trollers fous, hein. Ouais, mais par contre, en vrai, on prédit tout ce qui se passe, donc c'est pas comme si on trollait mal, tu vois. Ouais, c'est des mécaniques qu'on a déjà vues. On a un peu de bouteille, quand même. Déjà plus de place dans l'inventaire, tu vois. Moi, je continue de douter comme un... Tu peux venir. Comme un fou. Bah, après, c'est vrai qu'en vrai, il a pas la prétention de réinventer quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il va pas non plus chercher l'originalité, quoi. Ah, bah heureusement que tu n'as pas mon écran. Non, t'as encore bugué? Je vois encore des pixels dans l'eau, au loin. Ok, il nous a juste mis une patate. Il a dit surprise. Oh mon dieu, une tu course vois, poursuite. Tu vois au fond derrière le building là, l'eau? Bah moi je vois des pixels noirs. Une course poursuite avec une tyrolienne qui s'arrête pile poil sur le toit où on doit lui courir après. Attends. Mais on veut parler, il est con, hein. Non mais on doit mériter de lui parler, monsieur Funéral. C'est vrai. Encore, ça se trouve, faudra faire peut-être des bons choix pour... Ouais, y'a moyen. Voilà. C'est déjà enfermé. Non, on va pas se retaper encore 30 000 temps de chargement entre chaque porte. Non, c'est parce qu'on est en coop, Fufu. Veuillez patienter. Mais... Rattraper Kirk. Non. Non, mais dis pas qu'on a été plus vite que lui. Il faut que tous les autres soient présents. Attends. Veuillez patienter. Mais... Bah alors? Attends, je fais un voyage rapide vers toi, pourquoi? Ouais. Voilà.
On patiente quoi en fait? On va rester ce qu'elle a dit tout doucement, peut-être qu'on a été trop vite. Bah attends, quand même pas. Ok, alors ouais. Allons-y Fufu. Ouh, doucement, vous êtes... Oh là, le triple saut, doucement monsieur. Il faut que tous les joueurs soient présents. Veuillez patienter. Oh non, il a bugué, il a disparu. Alors, tu sais, on go suicider, hein. Et ça va reset. Fous-toi en l'air pour voir, juste toi. Vu que je pourrais t'amener. Fais genre t'es tombé. Non mais si tu meurs, je pense qu'on reprend à surprise, hein. Je fais quoi, je tombe? Ouais, faut reset là. Là, faut reset pour le coup. On va réapparaître au dernier point de sauvegarde. Tu es de force. Ok, on va rien dire, Fufu. Faisons preuve de bonne foi. Tu sais bien que des gens n'ont eu strictement aucun bug. Voilà. Hein, oh là, il va faire apparaître si loin. Oh, si loin aussi, putain. On se parasse, c'est pas grave. De toute façon, on a déjà pris ce qu'il fallait prendre. Là, on aura le temps de rattraper, je pense. Non, mais je pense que ça va reset là. Je pense vraiment qu'on aura besoin de recharger, à mon avis. Tu peux reset la sauvegarde? Je sais pas, mais j'ai peur. Hein. T'as pas peur? Je sais pas, j'ai envie de me dire, j'ai envie d'y croire. Bah, t'es passé où? J'ai sauté derrière. Ah bah oui, mais non, mais c'est parce que j'ai plus ma lampe torche. On m'a toujours dit... Mange tes morts. Voilà. Attends. Ouais, non, faudra reset la sauvegarde, je crois. Ah ouais? Ouais, parce que là, ça met... M'annonce pas cette mauvaise nouvelle, Fufu. Rattraper Kurt là-bas, donc on va le rattraper Kurt là-bas. On est mort, peut-être que le veuillez patienter et... Voilà. Bah alors? Oh non. Bah ouais, j'aurais passé. Adieu. Il faut que tous les gens soient présents. Ah bah attends, je vais faire voyage rapide vers toi. Non, je peux pas, on peut pas, c'est l'inverse. Tu peux? Là, j'arrive, ça te propose? Ah, ça t'a proposé? Ouvrir. Et là, c'est bon. Pouh. Oh putain, oh la vache. Bon, on va rien dire, c'est pas grave. Ça arrive. Vas-y, tue-moi. Oh, l'homme le plus faible du monde. Je suis mort, guerrier, mais c'est bon, c'est quoi, frère? T'as voulu me piéger derrière le port. Il a cru qu'en disant ça, il allait au Valhalla, le bordel, là. Elle t'a envoyé pour ça, alors vas-y. J'ignore ce que ça veut dire. Il est nul. Il est teubé. J'ai un boulot pour toi. Vas-y, tue-moi, je serai mort, guerrier. Bah non. T'as voulu me tuer et... Tu es un assassin. Non, je veux juste parler. T'es un ingénieur, pas vrai? J'ai un nom. Je m'appelle Kurt. Qu'est-ce que tu veux? C'est fou comme ta voix ne va pas du tout avec ton cœur. Demandez à Kurt qui c'est. Qui es-tu vraiment? Et au fond le background. Je suis de la confiture donnée aux cochons. Un roi sans royaume. La tragédie incarnée. D'accord. T'as dit que t'avais un fils? Emporté loin de moi. Comme tout le reste. Je sais comment tu te sens. Il n'y a personne dans cette ville qui n'a pas perdu un être cher. Dites-moi plus. Alors, qui est donc cette femme qui veut te tuer? Vagina dentata. Un vagin pourvu de dents. Quoi? Une grosse salope qui veut mes couilles sur un plateau. Hop, c'est démonétisé. Ça te va comme réponse? Voilà, ça y est, hein, c'est parti. Hein. Merci, je peux peut-être aider. T'as aucune idée de ce qui t'attend. Je me suis chargé de ce monstre en bas. Leto, ce n'était qu'un caniche avec un haut-parleur. D'accord. Et c'est quoi que tu voulais déjà? Je dois installer ce micro sur un émetteur radio, mais il faut d'abord le réparer. Je serai pas radin. Oh, tu entends? Impossible, ce sont plusieurs pièces. Quelle pièce? Le câblage est corrodé. Tu trouveras de quoi le remplacer dans la tour nord. L'armée y a laissé son matériel. Comment est-ce que je peux le trouver? Il sera protégé contre les éléments. Tu dois chercher une boîte sous l'antenne. D'accord. Et c'est quoi ton prix? On verra ça plus tard. C'est une surprise. J'aime pas vraiment les surprises. Bonne chance. Ça va être une quête? Ok, donc on a fait tout ça en un épisode et demi.
pour qu'il nous renvoie dans une autre quête. Attends. T'as pas l'impression de manquer de récompense, toi, dans cette histoire? Ah, tu voulais y retourner, Jean? Non, j'écoutais la musique. J'adore cette musique. Je rêverais de la jouer à l'orgue dans une église. C'est quoi cet endroit? Les musiques sont très bonnes, hein, du jeu. Hein. Ouais. Bon, après, ça, c'est une musique libre de droit, donc je pense qu'ils sont pas pris trop de risques sur celle-là. Mais ça fait bientôt 10 ans que j'y vais. Et j'en ai pas rencontré. Attends, j'arrive pas à monter. C'est bon. Ok. Ah, voilà. Bon, faut qu'on aille tout en haut, hein, mon cher funéral. Ah. C'est censé être le maître des clés ou quoi, le ref, là? Mais c'est surtout que il nous dit que les câbles sont rodés, donc il nous envoie chercher des câbles, mais c'est qui va après? C'est lui qui va bricoler le truc, c'est pas nous quand même. Bah, si c'était que ça le problème, c'est nous les ingénieurs. Eh ben, ceux qui l'ont construite pensaient. Oh putain, attends. Mec, sortez jumelles, on va se gaver. Alors moi je t'explique, moi je vois que des pâtés de pixels noirs. Merde. Bah essaye quand même, on s'en fout, t'as le cadre. Mais j'avoue, c'est une très bonne idée que vous avez eu là. Ouais, bah là, j'en ai déjà localisé 3. Hein. Je me suis défendu contre ceux qui voulaient me voler. N'en ferais-tu pas de même si des étrangers se glissaient chez toi? Je sais pas. J'ai jamais eu de chez moi. Le fichier. Alors? J'ai trouvé un truc. Deux trucs, parachutage militaire. Tour radio. Putain, je monte des trucs, je sais même pas ce que je monte, ça passe à travers tous les corps. J'ai découvert... inhibiteur. Moulin à vent. Épicéa. Tour radio. T'es sûr que ça marque pour nous tous? Oui, oui. Juste que moi, ce que je repère, c'est genre à 500 mètres au loin. Ouais, mais c'est là. Dommage qu'ils nous disent pas, tu vois, genre vous avez découvert, tu vois, c'est vraiment... Ouais. Récupérer des armes. Eh, des églises, on en a très peu fait, gros. Hein. Bah, c'est pas une église, la toute première safe zone, là? Où il y avait Hakon et tout, là, où on faisait la quête. Attends, l'église où on est, je crois que c'est un point MDR. Île de Cuvert. Marrant ça comme nom. Forteresse flottante des pacificateurs. On n'est même pas sécurisé ça. Moi j'ai sécurisé tout, j'ai plus rien. Bah viens vers moi parce qu'il y a un truc juste en bas mais je crois que c'est... L'église. C'est là où on est, ouais. C'est possible parce que ben moi j'ai eu le truc des pacificateurs dans... T'as galère pour moi, je reviens, je fais tout le tour. Bah je vais essayer de grimper, avec un peu de ouais, chance. Ouais vas-y. Je vais pouvoir taper. Ah attends, retourne dedans. Pourquoi? Je vais pouvoir descendre une... Oh je peux pas. Oh je peux pas. Attends si. Hop regarde. Et moi. Ok. Ah ouais. Bien joué. Bien joué mon pupu. Oui j'ai voulu regarder et puis voilà. Hop la cloche. Hop la cloche. Je me méfie maintenant de tout ce qui est cylindrique et jaune, hein. Remember l'épisode où on avait galéré une heure. Ouais, je te jure. Ok. Oh, c'est une sacrée ascension. Magnifique, pas vrai? Un miracle architectural. La cime des... Hop, non mais avec le talent qui nous permet de sauter haut... Ouais, c'est un régal, hein. Ça saute... Ouais. Ça saute aux yeux. Alors, je me permets d'ouvrir, Fufu, si ça te gêne pas. Allez, tirez, monsieur. Ça, c'est le compteur GGR. Hop, dégage. Oh putain, normalement, je t'ai mis une claque. Hein. Oui, bah là, je suis mort, hein, là, actuellement. Je l'ai. Ok. Bien joué. Oh, ne regardez pas. Je vois qu'il est difficile de te décourager. Ah, je suis borné. Eh bien, c'est tu lui, me seras peut-être utile. Oh, t'es où? Oh, t'es là. Il faut qu'on retourne le voir. Ouais, mais attends, on peut parachute, là. Attends. Sors oui, encore les jumelles, hein, bah les couilles, hein. Ah oui, je vais voir si... Bon, là, on est au bord de quartier, y a plus rien. Ah si, j'ai un truc là-bas. J'arrive pas, c'est trop loin.
Ok. J'arrive pas, c'est trop loin. C'est celui que je pense ? Celui où c'est tout bleu là-bas, là. Ouais, j'arrive pas, c'est trop loin. Oh, j'ai pas vu le temps, là, de... mon crâne. Allez ! Active le bordel. Bon, on va rentrer comme une lettre à la poste là-dedans, hein. Je te le vas-y. Dis. Vas-y. Hein. T'es prêt ? Vas-y, je suis là. Hop, je suis rentré nickel. Oh, bah, ah, mais ouais. Gros, c'est ridicule ! Tu m'as vu en parapente pendant deux ans ? Oui, t'as pas... on dirait que tu voulais pas descendre. T'étais... je te jure. T'étais bien posé, hein. Attends, viens, il y a une note. On a fait quoi en haut ? Ah, on pourra péter à son lit. On a récupéré un truc qu'il avait besoin, mais... Ah, t'as récupéré quelque chose ? Parce que moi, j'ai capable rien de... Il est capable de piéger toute une église, mais pas récupérer un vieil outil collé au générateur en haut. Oh, tu sais bien que dans ce genre de jeu, on est un peu les salopes de la ville. Tu sais, ce qui aurait été marrant, c'est qu'il ait une grosse red ball. Tu l'as ? Bien. Attends un instant. Mais quel PC t'as réussi comme ça ? Rien de bien compliqué. Bon, alors... Il a rajouté 4 c'est quoi et la un surprise client. Qu'est-ce que tu veux en échange ? Tu n'as pas grand-chose à m'offrir qui puisse m'être utile. Attends, quoi ? Je suis un programmeur. Dans un monde où les gens ne font que manger, chier et dormir, comment pourrais-tu me payer ? En pot de porc ? En bouteille d'alcool ? La surprise, je l'ai fait pour ton amitié. Oh, c'est beau. Enfin, un PNJ qui se fout pas de notre gueule. Bah voilà qui m'honore, hein. Un frère, hein. Oui. C'est une sacrée surprise. C'est un honneur. Enfin, je crois. Tu as survécu à mes pièges et vaincu mes défenses. On devrait établir une confiance mutuelle, Aiden. Oui. Voilà ma récompense. Ok, Kurt. Et... Bon, ça va, je pensais qu'il allait nous demander de faire un truc de merde et... Non, non, bah, PNJ bon, sympa. Peut-être une autre récompense, hein, je sais pas, je... Oui, bon, Non, je sais pas, j'ai un peu d'XP, beaucoup de choses... On peut dormir ici, en tout cas. Ouais... Et on peut descendre par son ascenseur personnel. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais non, parce qu'ils nous disent de pas descendre, qu'il faut passer à la fenêtre. Ah bon ? Bah sûrement que quand on va passer à la fenêtre Juan, et... Voilà, tu vois, voilà. C'est bon, Kurt a réparé le micro. C'était pour activer la séquence, monsieur Funeral. Et tu sais, quand tu me disais qu'il était un peu fou, bah t'étais vraiment loin du compte. Je t'avais bien dit qu'il était à moitié zinzin. Ça, il est cool en vrai. C'est pour ça que j'ai pas être sûr. C'est parce que c'est un programmeur. C'est des gens à part, mais ils sont pas fous. Et maintenant ? Ok. Attends. Oh, c'est beau. À la radio. Retrouve-moi dans mes quartiers, sur le navire. Bon, attends, le Juan là... qu'est-ce qu'on a à faire au passage en vrai, Fufu ? Au lieu d'aller rendre directement la quête, on peut peut-être faire un petit bail ? Bah, je suis en train de regarder, le problème c'est que le bah jour tiens, va se lever. La chapelle de la résurrection, ça me paraît pas mal ça à suivre. Hop, vas-y, je te suis. Bah attends, j'aimerais la suivre aussi. Je sais pas où est la chapelle. Les gens ils disent que la boussole, mais gros, c'est, on voit que dalle. C'est marqué, c'est une chapelle en bas, à 140 mètres. Ok, go. Attends, château d'eau. Ah, je la vois. C'est elle, voilà. Suivant. Il me semble que c'est elle. C'est bon, celle qui a le elle 3 ronds, hein. On est d'accord. Hein. Oui, elle est en face. Elle est à 100 mètres. Si, si, c'est celle-là. Ok. 74 mètres. Ok, c'est elle. La chapelle de la résurrection. Bon. Comment ça marche une chapelle hein ? Il faut prier, c'est bon hein ? Bah, demande à Dev. Ah chapelle. Non. Ok, j'y suis, gros. C'est bizarre. Je me suis laissé tomber comme une merde. Ah mais un PNJ ? T'as pas encore trouvé ta place ? Attends, tout ça pour 3 plants de tomates et une cache ? Je sais pas. Non, viens. Bah si, on dirait bien. Il faut ah, marchand. Que les joueurs soient présents. Ah, elle non, a des yeux qui font peur. Elle donne une quête en même temps, je crois. Non ? Elle fait peur. Oui. Bienvenue, étranger. C'est une sorte c'est quoi cet endroit ? Ouais, je vois ça. Bah, c'est sûr, je concocte et vends de tout. Des élixirs de guérison aux puissantes protections contre les infectés. Ah, des élixirs magiques, quoi. Tu t'adresseras à papa avec respect. Ah, vraiment ? Ne fais pas attention à Corvus. Il est
un peu trop protecteur. Dis-moi plus sur tes soi-disant élixirs. En juger par ce qu'il y a dans ces pots, quelqu'un a fait le tour des cimetières. Tu parles de mes ingrédients, à la fois rares et puissants. Je les mélange pour créer des merveilles. Certains d'entre eux émettent une odeur qui peut attirer un infecté, peu importe ce qui se trouve sur son chemin. D'autres, des phéromones, qui peuvent faire fuir la plupart des infectés. D'autres encore enflammeront tes poings pour brûler tes adversaires à chaque coup. Comédie mise à part, je suis intrigué. Parle-moi de tes élixirs de guérison. Je vends de tout. Des pommades pour soigner les blessures les plus graves, aux potions qui guérissent toutes sortes de maladies. Si tu as des problèmes de virilité, tu pourrais essayer mon... Non, c'est bon. J'ai des doutes, mais je suis prêt à essayer certains de ces articles. Je suis sûr que tu seras ravi. Le prix de mes élixirs en vaut largement la peine. Et ils sont fabriqués à partir de monstres ? En partie, oui. Certaines mutations inhabituelles chez des créatures rares produisent des hormones aux propriétés spéciales. Lorsque je les mélange avec les bonnes herbes et d'autres composés, je peux créer à la fois des armes puissantes et des articles de guérison. Il se trouve que je suis à court d'ingrédients clés et que j'aurais besoin d'aide si tu es prêt à chasser pour moi. Comme par hasard, pourquoi est-ce que t'envoies pas ce type ? Je ne suis pas un garçon de course. C'est Lance Cordus. C'est pour cette raison que nous sommes à court d'ingrédients et de clients. Tu fais fuir les gens. J'ai pas peur des monstres, ni de ton type là. C'est réglé alors. Si tu peux chasser, j'achèterai ce que tu me... Ok, donc en gros, qu'est-ce on peut faire du troc avec elle pour sur... Pour commencer, un cerveau de démolisseur rare. Il contient une... Comment... Je suis désolé, hein, mais... Eh, les gars, on a passé... Non, mais les gars, ça... prenez 10 minutes de vidéo, les greffes. Bon, allez, et là, on vend toutes nos merdes, hein, parce que c'est terrible. Hop, je vends toutes mes armes claquées au sol... qu'est-ce qu'on a? Ça, je vends rien à péter. Ça, je vends rien à péter. Hop. Il y a des petits trucs assez sympas, là. Hein. De niveau 4, tu vois, un peu... Il y a du miel. La camomille. Par contre, faut tout lui acheter. Hein. Vends tes équipements que tu n'utilises plus, mec, aussi, tu vois, ou pas? Oui, bah oui, oui, oui. Les trucs de niveau 2, de niveau 1. Ah, c'est le passage un peu chiant, mais bon, faut y passer. Hein. Bien obligé d'y passer, bien sûr, bien Exactement. Sûr. Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, ça va, tu vends tout là ? Ouais, ouais, je vends tout petit à petit là. Ouais les gars, on devait le faire là, c'est vrai que ça commençait à peser un peu sur nous quoi. Dans l'inventaire et tout. Non mais c'est vrai hein, mine de rien, oui. Ça fera un petit peu de rangement, puis c'est cool. Rien à péter, ça, y a tout qui dégage, hein, rien à foutre. Hein. Des bottes de niveau 1, ça dégage. Et ben voilà. Niveau thune, t'as combien? Tu dois être blindax toi, non? T'as 8000. Et on va tout lui prendre. Hop, ça dégage. T'es à 8000, je suis à combien, moi? Je suis à 9004. Presque les 10 cornes, on est presque riche, Fufu. Ouais. En train de vendre encore, là. Voilà. Et ben voilà, parfait. Est-ce qu'on l'a fait, chasse 1? Bah ouais, tant qu'on y est. Hein. Elle avait pas l'air ouf, sa quête. Hein. Elle avait même l'air un peu flinguée, hein, mais bon. Oh, je sais pas, le truc c'est que si c'est pas pour... En fait le truc c'est pour débloquer des potions chez elle, ça veut dire qu'il va falloir retourner forcément la voir elle pour faire tel ou tel truc. J'ai pas trop compris ce qu'elle attendait vraiment de nous. Bah attends, là c'est bien la chasse là qu'elle nous emmène là. Chasse à 200 mètres. Monsieur Funéral. Oui, je ressemble à un joueur de foot. Bah je ne vois pas... Chasse 1. Faites un rapport à Juan. Non, c'est pas la bonne mission. Ok, j'y suis. Tu me follow ? Ah c'est bon, chasser le démolisseur brûlant. Vas-y,
ça fera un truc spécial. Oh bah le truc spécial il est vache. Il est dans ma gueule. Hein. Ouais, bah attends parce que j'en prends aussi plein la gueule. Hop, barre-toi. Chacun pour sa gueule fou. Courage, fuyons. Oh les problèmes. Attends, mais des hurleurs, il y en a 30 millions d'amis là. Oh non, Fufu, je suis mort. Fufu, je suis un cavalier mort. Conteneur d'inhibiteur détecté. Où ça? Là où je suis. Ok, nickel. Allez, j'y suis, hein. Bonsoir. Ah oui, t'as tapé directement là où il fallait. Non, j'ai couru. Oh quoi? Je suis mort, ouais, Fufu. Oui. Ouah, laisse. Je crois que c'est les mecs de la jaquette, gros. Les rapaces? Bah, je crois, ouais. Ils m'ont combo ma gueule. Je. Laisse tomber. Va falloir qu'on soit un petit peu plus loin. Laisse tomber, ils m'ont démonté. Ils ont passé un portail. J'ai pris deux flogites d'arons, frérot. C'était terminé. Terminé, hein. Ah, je le vois, le mec de feu. On a quelque chose en ouais, bah, c'est lui qu'il va falloir tuer. Je peux pas me taper. Il ressemble à Leto. Oh là, il y en a un. Attends, c'est normal qu'il y en ait un qui a l'air de cavaler tellement vite. On dirait Wallach. Il vient de traverser un mur normal. Bah, c'est lui qui m'a combo, je crois. Mais il est bugué? Bah, je sais pas. Mais mec, il m'a mis des patates Wallach aussi. Non, mais comme je t'ai dit, il a couru, il a traversé les murs et tout. C'est dommage que je peux pas clipper, genre. J'arrive, hein. J'arrive en héros là-dedans. Hein. Tu commences à le démonter là ou pas? Là, actuellement, non. Là, tu sais, j'envoie un petit molotov et... T'as bien raison. Je regarde comment ça se passe. En fait, j'aurais voulu que le jour se lève. Ouais. Ton idée n'est pas conne. Ah, je crois qu'il va essayer de me... Vas-y, hein, viens m'aider, hein, on rentre là-dedans, hein, on s'en bat les couilles. Hein. À l'ancienne. Hein. Okay, là, on peut pas enclencher de poursuite, on est dans une arène, donc... Ok. Mais le jour c'est la vie. Ok, parfait. Ouah, ce qu'il m'a mis, mec. Ah, il fait mal, hein. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à monter les PV là. Il nous manque un inhibiteur, mais on a vu un. Oh mais attends, mais c'est un boss de MMO ou c'est un zombie? Ouais, il est balèze lui, hein. C'est pas ça, genre il fait des cleaves et tout, genre il tape le sol, ça fait une onde de choc. Attends, mais c'est Daron à qui le man? Faut que je le soigne. Ah non, mais il soulève des pierres et tout. Attends. Il est intombable, hein. Sa vie, je la vois pas tomber, frère. Il a des PV? Bah oui, au-dessus de lui, tu vois pas? Ah non, je suis pas en mode RPG, moi. Ah ouais? Ouais, faudrait que je fasse ça. Tu veux que je te dise où on en est sur sa vie là? C'est toi qui tire? Ouais. Oh là, alors, on attends. Est même pas à la moitié, gros. Je vais vendre les options. Non, Fufu, faut aider là, hein. Sinon on va jamais l'achever, gros. Je cherche les barrières. Hein. Là, on lui a niqué un tiers. Hein. Wow. Ouf, il m'a balayé. Hop là, attends, esquive. Hop là. Ah, attends, mais attends, on joue avec ça, regarde. On joue avec le... Ouais, c'est le milieu, ouais. Regarde. Il est qu'à la moitié de sa vie maintenant. Bah alors, on est nul. Alors, il m'a démonté, hein. Pour un nulot, c'est pas mal. Mais regarde, alors, on est... Alors... Hop, il vient sur moi, je me cache derrière. Là, il est qu'à la moitié. Vas-y. Gros, c'est un boss de quête secondaire, il est plus chaud que tout ce qu'on a affronté dans... Mais arrête, gros, je suis sa pute. T'as plus de molotov? Non. Attends, non. Attends, j'ai plus d'endurance. Bon, tu sais ce que je fais? Il faut sortir là. Oh, katana, attends. Fufu. Dai katana! Dai!
Il lui reste un quart de sa vie. Oh, il est tellement chaud. Oh, il me reste un quart de ma vie. Soigne-toi. Ok. Il m'épuise quasi toutes mes armes, cet enfoiré. Hein. Ouais, Fufu. Je me dépêche dans le lit. Ouais, Fufu. Vache, mes frères. C'est le boss final du jeu, je crois. Il y a forcément une autre bobotte qui traîne. Attends, c'est quoi ça? La ferraille, merde. Oh, y'a plus de bonbonne. Ah, vache. Toi aussi t'as pris le même coup. Oh, j'ai plus de risque. Attends, je me re-soigne. Ah bah non, j'ai plus que des petits soins. Bah c'est pas grave, c'est mieux que rien, soigne-toi. Hein. Putain, il est balèze, hein. Je suis choqué, hein. Oh, j'ai fait une esquive. Tout ça pour avoir des popos qu'on n'utilisera jamais, Fufu. On sait jamais, genre, si on peut avoir des points de feu. Bon, c'est pas plus tard, faut le savoir. Il est bugué. Voilà, il est bugué. Il est... Merci, au revoir, la zone. Hein. Du parfum. Manuel de l'ancien monde. Il m'a looté du parfum. Eh ben, faut qu'on retourne derrière. Tu l'as looté? Non, il m'a looté un manuel de l'ancien monde. Tiens, il y a un hurleur. Il t'a pas looté. Et il y a un zombie qui flotte. Un trophée? Si, trophée unique. Ok, trophée inhabituel. Allez, go, on se casse. Ok. C'est quoi tous ces zombards là? Rentrez chez vous là. Tu vois toute cette eau? Je vois du mazout. Hein. Attends. Voilà, ça me plaît ça. Ok. Bon, monsieur Fufu, on rend la quête. Oui. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, c'est déjà très bien. Je suis derrière vous. Allez, bonsoir. C'est pratique le petit boost du parapente. On a quelque chose. Oui, ça c'est vraiment, ça rend le parapente enfin intéressant, hein, parce que sinon, c'était assez terrible. Allez, on lui rend. J'espère qu'il va pas nous raconter ça. J'ai trouvé ça. La créature. Et les je rappelle que exact. Je suis sorcière, c'était que je fais des... Ce spécimen produira une énorme quantité d'enzymes. Elles font quoi déjà? Oh non. Ne remets pas Baba en cause. Préoccupe-toi de ta récompense. Merci Corvus. Très bien. Merci Corvus. Je suis pas médecin de toute façon. Ouais, je t'avoue. Très bien. Je vais les diluer dans de la bave du crapaud. Et puis mélanger à certaines herbes trouvées dans le cimetière à 3h du matin tapante. Je vais pouvoir créer des potions. C'est un mode, je suppose, non? Bah alors, dites-nous. Un booster de résistance, comment c'est nul? Un booster de natation. Et 250 balles, comment c'est flingué? On se casse, elle m'a déçu. Allez, on va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. A bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure. Monsieur Vulnéral, un dernier mot? Il y a une chasse 2, vous êtes prêts? Oh. 500 heures. Que t'es un tel roi. T'as pas encore trouvé ta...